En mode freestyle, car quand on aime freeze, on a du style. Alors voilà, on se retrouve pour un petit combat face à Hydrogène, un petit crat de sang, et bien tout simplement en 12-6. Ouh, et en plus il y a l'initiative, ce qui est quand même assez incroyable face à mes 4000 face à mes 4000 dini. Il fuit le fourbe. Donc du coup, tout simplement, on va se faire le combo le combo Doppel qui est tout simplement surcheaté, hein, je trouve. Voilà, et il montre sa belle flèche punitive qu'il a pu me faire. Une petite libé sur ce Doppel pour qu'il parte. Et d'ailleurs, en plus, je bouffe le cooldown du coup libé. Et bon, il va quand même partir loin. Je suis pas sûr qu'il va pouvoir faire des bluffs dès son tour de jeu là. Non, voilà, il va faire des pilous. Bon, des pilous à moins 133, c'est quand même assez intéressant. Vu que je l'ai quand même full boosté, hein, le fourbe. Là, il tape sa mémé, hein. Je sais pas ce que ça veut dire, ça veut rien dire. Il m'a mis déjà très très cher dès son début de tour, ce petit hydrogène. Il va essayer de tuer mon Doppel, il a compris la technique, hein. S'il tue pas mon Doppel, il va prendre très très cher pendant tout le combat. Et moi, du coup, je vais devoir rusher, sachant que sa flèche punitive est le prochain tour. Du coup, on va jouer fourbe, on va jouer très très fourbe. Et quand je dis très très fourbe, c'est comme ça, hein. C'est full fourberie. Même moi je comprends pas ce que je fais là, hein. C'est Wazaza. Ah, j'ai il me manque un PO, dommage. On va pouvoir quand même se full booster. On fout le chaton ici pour éviter qu'il nous recule, même s'il va bouger à la fin de mon tour. C'est pas très très grave, il va pouvoir nous soigner. J'ai pas fait malheureusement la chance des cafés comme j'aurais aimé faire. On va la garder pour la prochaine punitive, voir si on a vraiment de la grosse chance. Là, il s'est boosté avec 250 de puissance, la flèche punitive à 890. Il y a encore moyen de gagner, hein. Là, il va partir se bloquer dans le mur. Ça dépend où il va se poser. Je vais pouvoir le choper et lui faire très très mal en dopou là. Ah, il s'est bien placé le fourbe. C'est bien joué. Et du coup, je suis en mode 1 PM malheureusement. Et je vais pas pouvoir faire grand chose. À part peut-être, et eh bien tout simplement, me donner des PM. Voir si j'ai pas griffe joueuse qui traîne par là. Non, malheureusement, voilà, j'ai même pas griffe joueuse qui traîne. Je suis même pas sûr de pouvoir le taper si je le tape avec du moins 82. C'est assez ridicule, je vous l'avoue. Donc je vais tout simplement passer mon tour. Je peux rien faire dans cette situation là, malheureusement. Il s'est très très bien placé. Et là, par contre, voilà, là ça va être gang gang parti là. Parce que il va être quand même à portée de dopou, je pense. Ça dépend, hein. Ça dépend vraiment ce qu'il fait. Voilà, oh, ça c'est magnifique, c'est magique. Oh, magique. Toi, être très très beau. Alors, pas d'erreur, on va se faire la chance des cas. De toute façon, au pire, là je meurs au prochain tour si je la fais pas. Donc, autant la faire. On fait un max de dopou. À moins 473, ça fait quand même très très mal. Un autre 2 points en CC à moins 509. Et allez, pour le troll, la petite flamiche qui va lui faire 0 dégâts. Le chaton qui va venir me soigner. Non, il avait pas la PO. Là, il va pouvoir me balancer une grosse flèche punitive sur la chance des cas. Est-ce qu'il aura les coronesses? Il a les coronesses! Oui! 2400! Ouh, par contre, là, la grosse destructrice et la grosse Apso à moins 780 et la grosse destructrice à 1467. Ça fait quand même des gros bobos, j'ai envie de dire. Alors, là, on va lui faire encore des dopous. Il a 2700 vitalité encore. Voilà, un gros dopou à 615. Un autre gros dopou à 572 qui tombe. Il lui reste 1537 points de vitalité. Le chaton qui me soigne du 200. C'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce qu'il va pouvoir tout simplement me roxer, hein? Il lui reste 8 PA. Il va sûrement sortir son gros coup de cac. Prochain tour, non, il va pas sortir son gros coup de cac. Il va sûrement me taper avec ses flèches. Il a pas la PO. Il y a la PO minimum qui le gêne. C'est magnifique, c'est magnifique. Il est parti se bloquer dans son coin. Ah, flèche de 10 P, ça c'est bien joué. Voilà, il va pouvoir me lancer une flèche. Moins 494, c'est plutôt bien joué de sa part. Est-ce que je le tue? C'est un risque à prendre. Est-ce que je le tue? Honnêtement, là, je lui fais pas de dopou déjà. Première erreur.
Moins 562. Ah non, je vais devoir faire mon contre-coup malheureusement. Grosse erreur que je ne lui ai pas fait de dopou, hein. Erreur de placement de ma part. Contre-coup se trouve ici. Et je vais tout simplement faire en sorte d'aller le bloquer. Ici, voilà. Non, je le tacle pas, hein. Il peut partir comme il veut. Le chaton qui me soigne un peu, ou même beaucoup du 400, voilà, la flèche de recul qui tombe, ça paraissait évident sûrement. Flèche de Singa, flèche cinglante, qui va m'enlever pas mal de PM, vu que mes retraits sont pas non plus. Ouh, la grosse punie à moins 1183, ça fait assez mal. Est-ce que je survis là pour le moment? Là, il essaye de me kicker un max de PM, et il y arrive d'ailleurs. Je suis plus qu'en 3 PM. Et là, c'est le souci. Est-ce que je vais le finir? Et est-ce que surtout je survis contre Koum 300? Je sais pas du tout ce que je vais faire là. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oui, j'y vais. Allez, c'est parti. Hop. On se donne max de PM. Et normalement là, je vais pas le finir. 612. Non, je le finis pas. Ah, c'est moche, c'est moche. La flamiche à moins 27. Le chaton, est-ce que le chaton va le finir? Ce serait tellement beau. Non! Le chaton qui finit pas. Non! It's impossible. Ah, oh, putain, si je faisais pas mon erreur là, sans les deux poux de destin, je le finissais. Oh, je m'en veux. Oh la vache, là, il va venir me faire un coup de cac. Voilà, Daguerre à moins 438, moins 434, et je perds malheureusement à 14 PDV près. Donc, franchement, je vais vous le mettre ce combat-là. C'était plutôt beau, il y avait plutôt du cheat. Donc, voilà, on se retrouve pour un prochain combat. Alors, on se retrouve contre Soubéry. Soubéry plutôt, en défi 1v1. Alors, un sacré 12-6 avec 5458 de vitalité. Ouais, plutôt pas mal, plutôt pas mal. Ça risque d'être un beau combat. En plus avec pas mal de dopo. Donc bon, on va faire la base, j'ai envie de dire. Chaton, voilà. Hop. On te booste, il me manquerait un PA. En fait, il me manquerait un PA, être en 13 PA, etc. Ça serait plutôt drôle. Merci. Bon bah dédicace à Migou tant qu'il est là, voilà. Alors là, le Dopal, déjà, il va faire ses petits dégâts, voilà, du moins 143, du moins 151, du moins 149, voilà, il a fait ses dégâts, il a fait ses moins 452 dégâts. Il s'est fait plaisir, sans les châtiments, donc c'est toujours ça de pris en non boosté, et là, ça bloque la ligne de vue, donc c'est un peu parfait. Bon, il peut quand même, voilà, il peut quand même faire son détour, m'attirer, et là, là, c'est là qu'il fait l'erreur. Je sais, c'est lourd. Mais c'est là qu'il fait l'erreur parce que au moins 500, moins 577. Et allez, tant qu'on y est, la petite Libé à moins de 361. Le chaton qui vient lui faire du moins 122 et qui vient me soigner du 102. Le Doppel qui va aller le venir le taper. Bon, là il va se barrer. Easy money. Par contre, il a plus 3 PM le fourbe. Oh, le bluff à moins 317. L'autre bluff à moins 297. Et l'autre bluff à moins 145. Il y avait la roulette à J qui est sortie. Par contre, là il y a la punition qui va sortir. Je peux pas l'esquiver parce que je m'y attendais pas. Là il se remet bien à 50%. Voilà, là il doit être à 50%. La punie qui va sortir tour 2. Ah non, à moins que ce soit tour 3. Je ne sais pas exactement le cooldown de punie. Voilà, il va essayer de se régénérer malgré lui. Et là, ça va partir très très loin, très très vite. Il se fait des tours. Mais bon, je suis dopou. Malheureux que tu es. Je crois que tu le fais exprès. Là, je suis pas sûr. Je vais lui demander. Tu fais exprès. Malheureux qu'il est. Je crois qu'honnêtement, il le fait exprès parce que c'est pas possible en fait de le faire autrement. Je cherche des sorts pour lui mettre du dopou. Voilà, encore du moins de 389.
Il comprend pas les dames poux, sans doute. Voilà, bon, bref, c'est pas grave. Bah, je lui mets du cache de poux, hein. Il me fait, attends, je te parle. Par contre, le Doppel qui lui non plus n'a rien compris aux dames poussées là. Hein. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait là, le bluff il marche une fois sur deux. C'est vraiment abusé là. Et on a vu du très très beau Doppel. Par contre, il fait quand même assez mal là, il est bien boosté le fourbe. Faut l'avouer aussi de temps en temps, quand l'adversaire fait vraiment mal. Même si je suis le seul à pouvoir faire de gros dégâts. Ah, je suis Freeze. Et voilà, on va encore pouvoir lui remettre des deux poux. C'est l'excuse, c'est je suis pas le combat, je capte rien au combat. On l'a tous fait honnêtement, hein, on l'a tous fait. On assure parce que je sais pas du tout combien il va taper prochain tour. Voilà, le chaton qui tape du 122. La petite roulette 8 qui sort, c'est pas très utile, mais voilà, le Doppel va faire encore des petits dégâts. Moins 78, moins 85, moins 90. Là, il va taper plutôt fort, hein, du 513, vous voyez, il s'est quand même régène pas mal. Il va encore se mettre en position de poux. Ouh, la grosse épée à moins 600, j'ai bien fait d'assurer le coup quand même. Honnêtement, là, je sais même pas si je lui fais des deux poux. Voilà, je lui fais des deux poux, donc tranquille, on va lui dire GG quand même. On va lui dire GG. Combat assez facile parce que quand même de grosses positions debout. Et la dérobade qui a super bien aidé, quoi. C'était juste super abusé. Alors on se retrouve contre un SRAM Natsuni. 4223 points de vie, level 200. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, nous, on va faire notre combo habituel, j'ai envie de dire, petite roulette. Je lag encore un petit peu. C'est étonnant, mais c'est pas très très gênant. On va booster le Doppel pour qu'il aille faire des gros dégâts sur Mister SRAM là-bas. On va même pouvoir lui donner des PM, parce qu'on est tellement généreux pour qu'il aille pouvoir faire des petits bluffs. Voilà, là, il a largement la PO pour aller faire des bluffs. Une petite roulette moins 58, pas très très utile. Il va faire des petits bluffs à moins 205, moins 180. Et moins 214, donc un petit tour à moins 600. Hein, donc voilà, il s'est fait plaisir, le bougre. Et déjà, Natsui qui n'est plus qu'à 3634 points de vie. Il a compris que là, voilà, il fallait tuer à tout prix le Doppel et Kaflip. Parce que c'était juste super cheaté, hein, cette bestiole. Bon, ça m'a niqué tous mes boosts assez intéressants. Bon, le seul boost assez intéressant, mais ça tape quand même du 600 pour un tour. Ce qui reste quand même assez intéressant, je vous l'avouerai. Alors là, il se rend invisible. Il a utilisé 4 PM. Et je crois même l'avoir spoil. Donc le truc, c'est qu'on va lui faire une perception. Voilà, on l'a trouvé. C'est magnifique. On va invoquer le chaton. Voilà, il me reste encore 2 PA. On va pouvoir se booster en CC. Et on va pouvoir lui faire un coup de Dark Kuten Tag. Voilà, moins 314, sans CC, sur pas mal de résistance. Non, neutre 5%, non, donc c'est pas des grosses résistances. Là, j'attaque qui lui fait quand même du moins 166, là, il met pas mal d'érosion. Il met le double, c'est plutôt bien joué. Mais sachant que je peux me barrer et qu'il s'est mis en position de poux. Pour 5 PA, est-ce que ça vaut le coup? C'est la question que je me pose. Que pour 5 PA, ça vaut le coup? Oui, ça vaut le coup largement de l'utiliser. On va lui faire une perception. Voilà, moins 594 de poux. Et on va même le rusher, comme j'ai envie de dire, le rusher comme un gros enculé. Voilà, il a compris sa douleur avec un gros de poux à moins 600. En espérant qu'il me remette pas trop à côté du double. Là, en tout cas, je risque. Voilà, il me remet à côté du double, mais une petite libée histoire de me libérer. Il lui reste 2560 points de vie. Il lui reste 9 PA. Là, il risque de me roxer un peu. Genre des petites arnaques à 300, je pense. Il doit viser le 300 avec les arnaques. Ah, zone fourvoiement, moins 367, moins 370. Et est-ce qu'il va rester au cac? Ce serait vraiment bizarre. Hein. Je lui ai montré que je faisais quand même très très mal au dopu. Voilà, non. C'est bien joué. 58
Parfait. J'ai envie de dire, grosse chance de ma part quand même, au niveau des, de la roulette fuite quoi. Sinon j'étais obligé de libé. Mais bon là il m'offre encore une zone de poux. C'est le jeu ma pauvre Lucette, hein. C'est le jeu de l'écaflip, encore du moins 467 au dopou. Bon 574, un petit régène tranquille poposé. Le chaton qui va lui faire du moins 566, qui va venir me soigner, qui va me protéger de la ligne de vue. C'est magnifique, c'est incroyable. Friser un SRAM atomisé un SRAM. En même temps, je fais un écaflip, hein. J'arrive à trouver Easy Money. Mais encore, Perception a été nerf. Avant, Perception c'était 11 PO, hein. Donc je peux vous dire, le SRAM on le trouvait easy. Hein. Maintenant, c'est 5 PO. C'est un peu plus difficile, mais on le trouve. On le trouve quand même. Alors là, il met son piège répulsif, piège mortel. Concentration de chakra, ça risque de faire assez mal. Ouh, ça s'est bien joué! C'est très très bien joué, dis donc. Très 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 bien joué. Un gros coup de piège mortel à moins 738 quand même. Ça vaut le coup du regard. Ça vaut le coup du regard. Honnêtement. Alors. Ici c'est. Non, ça serait abusé si j'ai la ligne de vue quand même. Ça serait très très abusé. Et je l'ai. Donc c'est abusé. Voilà, je vous annonce, c'est abusé. Je suis contre l'abus de sa ligne de vue sur ce pauvre petit SRAM Natsuni. Par contre, je suis horripilé par le Nourox de mon Arcoutentag, hein, qui fait du 289, qui veut pas lâcher de CC. Le chaton qui se bat avec le double. Et qui va aller taper le chaton avec sa béchasse pour essayer de se régénérer. Il fait vraiment ah, du bon dégât quand même, du moins 613. Bon, le chaton a quand même 35 de résistance neutre et terre. Donc c'est quand même un petit putsch face à sa béchasse. Et là, dans la position auquel il est, le truc, le best, hein, le best, c'est qu'il arriverait à tuer mon chaton et j'aille lui faire du deux poux sur le double. Ce serait plutôt sympathique, là il met du piège répulsif, du piège empoisonné. Il croit que je vais venir le taper. Mais je suis plus intelligent que lui. Je vais aller lui faire encore plus de dopou. Alors là, est-ce que mon chaton il meurt? Non, il ne meurt pas. Donc je vais utiliser tout simplement eh bien, la technique du tout rien. En tapant en même temps Natsui. Un petit peu, 240. Donc ouais, c'est quand même appréciable. La félation, histoire de se régénérer encore un petit coup sur le double à moins 637 qui va faire encore du dopou. Et là, on va aller faire tout simplement du dopou sur Natsuni à moins 500, 151. Donc Natsuni qui a plus que 619 points de vie et qui va, qui va tout simplement mourir. Peut-être pas prochain tour, ça dépend le placement qu'il fait. Il a peut-être le cooldown d'invisibilité à moins que ce soit tour 7. Là, il met son piège répulsif s'il va sûrement. Sûrement invisibilité parce que pour mettre son piège répulsif, par contre, j'ai pris masse d'érosion. Hein. J'ai 4300 et quelques d'érosion. Et là, j'ai plus que 3245. Il va encore refaire son coup avec concentration de chakra. Je pense. Non, très bien, parfait. Voilà, si avec le double, encore un gros gros coup de piège mortel à moins 863. Ça fait assez mal, ça fait assez bobo, j'ai envie de dire. C'est pas un souci, on régène sur le double du 138. Easy money. Voilà. La petite maîtrise histoire de se boot. Le chaton qui va venir me soigner. Voilà, c'est tranquille. Il a 734 vu qu'il a eu le régène du tout rien. Et là, il va essayer de m'attirer dans ses pièges empoisonnés. Hein, dans son piège empoisonné, c'est plutôt bien joué. Piège d'Imo. Le truc c'est qu'il va pas falloir que je bouge. Piège sournois. Ouais, il va jouer full piège. Il va attendre. Et ça, il va sûrement relancer invisibilité. Hein, ce tour-ci. Voilà, il lui reste. Voilà, il se met en invisibilité. C'est plutôt bien joué. Et bien moi, tout simplement, le truc, c'est que je vais aller me régène. Hein.